Je voulais faire un petit point avec vous avant la rentrée. Ça a été un peu compliqué l'année dernière à cause de ces troubles du comportement. Un petit peu. On a pu commencer un petit traitement pour traiter son hyperactivité. Okay. Et c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus apaisé. Ah bah non, mais là, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ton fils, il est autiste comment? C'est un génie? Il compte des allumettes ou que dalle? Non, il compte pas spécialement des allumettes. J'ai pas cassé mon lit. J'ai pas bouché les toilettes. On est plus ou moins séparés avec Fabrice. Non, c'est pas possible. Tu vas faire quoi maintenant? 40 ans, un gamin handicapé, pas de boulot. Alors déjà, j'ai que 39 ans. Bah, excuse-moi de m'inquiéter, moi je suis pas sûr que de vivre avec ton frère soit un environnement très stable pour le petit. Pardon, j'ai perdu mes clés. Tu fais chier. On a fait un apéro pour la nif de Michel, ça a un peu traîné. C'était pas il y a 2 jours l'anniversaire de Michel? Ouais, c'est ce que je dis, ça a un peu traîné. Moi je suis là pour qu'ensemble on mette en place des protocoles qui permettront à Andrea de progresser. Voilà. Si toi de ton côté tu fais pas l'effort, moi tout ce que je fais ça sert à rien et je perds mon temps. C'est juste que là, c'est pas facile, quoi. Tu veux un Xanax? Non. Elle est déjà alcoolique, tu vas pas en plus la mettre dans les cachetons. J'ai l'impression d'être au pied d'une montagne infranchissable et que... Mais non! Je suis pas équipée pour... Non, pas celle-là! Et donc, qu'est-ce que tu dois faire pour gravir cette montagne avec lui? Le porter. Exactement. Oh, mon bébé d'amour. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Maman. Ça va, mon amour? Attends, Andrea, va dans ta chambre. Viens, mais je suis dans le salon. C'est un pote qui a pas mis ses clés.